Hey yo les gars, c'est Slower. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer, pardon, un petit tutoriel, si on peut appeler ça comme ça. Je vais vous présenter des petites astuces pour comment, entre guillemets, réussir sur YouTube, voilà. Donc après, c'est des petites améliorations que vous pouvez rajouter sur vos vidéos, etc. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi pour réussir sur YouTube, voilà. Donc commence tout de suite pour la première astuce qui est, pour moi, de proposer de la qualité, les gars. Proposer de la qualité, c'est super important dans sa chaîne YouTube. Parce que si vous, par exemple, vous proposez vraiment des vidéos, comment dire... Là, on parle vraiment de la qualité en P, c'est-à-dire en pixels. Par exemple, si vous mettez une vidéo qui crépite, ou ça lag, etc., vraiment, ça va vraiment déplaire. Ça va vraiment déplaire et les gens vont directement quitter la vidéo parce que c'est chiant. Donc oui, vous aurez peut-être des vues, mais c'est pas le but. Le but, c'est que la personne ne s'ennuie pas jusqu'à la fin de votre vidéo. Voilà. Le second conseil pour moi est en fait d'être original. Donc oui, c'est difficile d'être original parce que maintenant il y a énormément de choses qui sont prises par les youtubeurs, etc. Donc ça peut être compliqué pour vous d'être original. Mais bon, essayez vraiment ne pas plagier vraiment les autres youtubeurs, sinon d'essayer en fait d'être reconnaissable par rapport aux autres youtubeurs. Le troisième conseil qui est pour moi d'être professionnel entre guillemets. Vraiment je dis professionnel, mais c'est juste d'être un petit peu perfectionniste pour ses vidéos en fait. C'est-à-dire genre même si vous avez retourné la vidéo une vingtaine de fois, donc oui c'est beaucoup, hein, vous inquiétez pas, j'ai connu ça. Je pense que vous aussi, si vous faites des vidéos. Ne mettez surtout pas la vidéo mal travaillée, même si vous en avez marre vraiment de retourner les vidéos. Si vous en avez marre, retournez la vidéo plus tard vraiment si ça vous énerve, parce qu'il faut pas mettre, il faut mettre du contenu de qualité. Ça rejoint un petit peu le premier conseil. Donc le quatrième conseil pour moi est d'essayer, pour se faire connaître, de passer sur une chaîne communautaire. Ce que j'ai essayé. Donc ils m'ont pour l'instant ils m'ont pas upload, enfin bref, je vous expliquerai, je peux pas vous expliquer, bref. Donc c'est essayer de passer sur des chaînes communautaires, une ou deux ou plusieurs chaînes communautaires, puisque commencez vraiment par des petites chaînes communautaires qui ont 2 à 300 abonnés. Donc vous pouvez en chercher sur YouTube, c'est vraiment pas très compliqué. Vous tapez chaîne communautaire gaming, vous allez trouver des chaînes qui ont pas énormément d'abonnés. Dans ce cas-là, c'est un petit peu plus facile de passer. Et vous allez vous faire connaître de plus en plus pour passer dans des chaînes communautaires qui ont un peu plus d'abonnés, etc. Je pense que vous m'avez compris. Cinquième conseil, pardon, excusez-moi, c'est de s'entraider avec des youtubeurs, c'est-à-dire de se faire un petit peu, entre guillemets, de la pub entre vous. Par exemple, vous lui proposez qu'il vous fasse de la pub, mais en échange, vous l'en faites, etc. Ça vous fera évoluer tous les deux, et vous y aurez gagné. L'astuce numéro 6, qu'est de faire des vidéos qui attirent les personnes. Alors, quoi faire déjà? Déjà, un titre aguicheur. Je sais pas si je pense que vous savez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qui attire les personnes. Comme la vidéo que je suis en train de vous faire, c'est clair, je pense que ça va attirer pas mal de gens. À moins que la vidéo soit vraiment nulle. Enfin, bref. Essayez de faire voilà, un titre qui vraiment attire. Une miniature aussi. La miniature est très très importante puisque c'est le premier coup d'œil de la personne. Donc, la personne voit que la miniature vraiment et assez bien travaillé, etc. Il aura naturellement envie de cliquer sur la vidéo, et donc ce qui fait que vous aurez des vues tout simplement en plus. Voilà. Alors pour ce qui est de la septième astuce, excusez-moi, c'est d'être sympathique, entre guillemets. Être sympathique, c'est-à-dire pas être gentil, etc. Mais comment dire, ne pas parler sérieusement, genre salut tout le monde, c'est Slower, j'en ai trop pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, il faut vraiment montrer que vous avez la joie de vivre, essayer de mettre la banane aux gens qui regardent la vidéo. Essayer de se dire que la personne qui a pas le moral, qui regarde la vidéo, essayer de lui remonter le moral justement. Pensez à ça, comme si tous les gens qui regardaient la vidéo avaient pas le moral et que vous essayez de lui remonter. Voilà. Bah voilà. Donc ça, c'était la septième astuce. Si je me trompe pas. Donc désolé par contre si je me trompe au niveau des astuces. Et puis voilà. Bah c'était la septième astuce les gars. On finira là-dessus. Voilà, donc j'espère que ces petites astuces vous aideront. N'hésitez surtout pas à les appliquer. Hein. Ça vous aidera, je pense. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. C'était Slower. Allez, bye tout le monde.